Amen. We're going to sing. Amen. And praise the Lord. Donnons chanter et louer le Seigneur. Amen. Amen. Young people, that's yours. Amen. I want to see young people singing as well. Amen. We pray from the Lord.
offerings. Amen. Seigneur, bénis les offrandes qui sont récoltées, Père. Bénis tout à chacun. Oh Père, tant que béni, Seigneur, avec quelque chose. Pour la gloire de ton nom, Seigneur du Père. Que soyez pour le talent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire passer le panier pour se prendre. Oui, oui. Bien. Amen. Plus que Salomon. Et maintenant, nous avons plus que Salomon. Amen. We have more than Salomon. As a prince. Thank you.
Pour être avec nous ici,
Nous voulons lui donner un peu de ce temps pour nous parler. Eric, who is leading us now. Nous avons le frère qui nous conduit maintenant. And we try to obey to his leadership. Et nous essayons de nous soumettre à sa conduite. So I was offered to speak this morning. Et on m'a dit de parler ce matin. A few moments. Pour quelques temps. Before the ministers continue. Pour que, avant que d'autres ministres puissent continuer. Let us read in the book of Matthew. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Chapter 19. Dans le chapitre 19. Verse 16. Verset 16. Matthew 19 from verse 16. Matthieu 19. On commence par le verset 16. And behold, one came saying unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, Which? Jesus said, Thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witnesses. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth. What like I get? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. May God bless the reading of the word. Let the minister of the word, you may be seated. I could directly speak in French. Je pouvais directement parler en français. But I decided to speak in English. Mais j'ai décidé de parler en anglais. Pour attirer l'attention. Most of the young people here are now speaking. Parce que la plupart des enfants ici parlent anglais. I want also to greet you, Dr. Jean-Didier. We maybe not knowing each other. Je vais saluer le frère Jean-Didier. Peut-être que vous ne se connaissez pas bien. May God bless you. Que le Seigneur. So as I say, I can preach in French, I don't English. I'm not an English speaker like the mother. Je pouvais aussi français et prêcher en français. Je suis un anglophone comme frère Marie. Most of the children here are English speakers. Mais la plupart des enfants ici sont des anglophones. So I want to speak in a way to catch their mind. Je vais parler de sorte que je puisse attirer leur attention. So we are going to speak a little bit about the young ruler. Je vais parler un peu de young ruler. Les jeunes hommes. And Brother Branham took the scripture to speak a message entitled Come and Follow Me. Et le frère Branham a tiré cette écriture pour prêcher la prédication, viens et suis-moi. And after reading, et après avoir lu the scripture, après avoir lu l'écriture, when he had to preach, come and follow me. Pendant qu'il voulait prêcher, viens et suis-moi. Listen what the prophet said. Écoutez ce que le prophète dit. I think, je pense, come follow me. Je pense que le mot viens et suis-moi. That would be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids. Ça serait un bon conseil que je pouvais prodiguer aux enfants si je parlais aux enfants. Come follow me. Viens sur moi. That would be an advice.
Ça pourrait être aussi un conseil. If I had to speak to 10,000 kids, si j'ai à parler à 10 000 enfants, some kids like you, certains enfants comme vous, had the privilege of seeing Brother Branham. Ils ont eu le privilège de voir le frère Branham. When Brother Branham preached the message, teaching on Moses, quand le frère Branham avait prêché les enseignements sur Moïse, he was actually addressing to children. Il parlait directement aux enfants. Speaking about Moses. Il parlait de Moïse. And when he preached the message, the ever-present water from the rock. Quand il a prêché le message, l'eau est toujours présente dans sur les rochers. And at the end of the sermon. Et à la fin de ce sermon. He made an altar call. Il a fait l'appel à l'autel. Most of the only children came to the altar. Il y avait que des enfants qui sont venus à l'autel. So it means that you children are also concerned by what we are doing. Ça veut dire que vous les enfants êtes aussi concernés par ce que nous faisons. Sometimes we parents we forget about the children. Parfois nous les parents nous oublions les enfants. Sometimes we think that they don't understand what's going on. Parfois nous pensons que les enfants ne comprennent rien de ce qui se passe. Brother Brown says. Le frère Brown dit. We leave our good and bad at home. Nous vivons les mauvais moments et les bons moments à la maison. Nous vivons les bons et les mauvais moments à la maison. What do you want? Do you want to preach in French? No, just okay. Right. So we leave our good and bad hard time. At home. Nous vivons les bons et les mauvais moments à la maison. Here, when we come to church, quand nous venons à l'église, everybody is saint. Tout le monde est saint. Everybody is holy. Tout le monde est saint. But to know really who you are, pour connaître qui vous êtes vraiment, it's out of the church. C'est en dehors de l'église. And Lord says, you parents, faisons dire vous les parents, what you are doing, ce que vous faites, sometimes you think that the children. They are not seeing. Vous pensez peut-être que les enfants ne voient pas. Les femmes ont dit non. They see everything you les femmes ont dit que les enfants voient tout ce que nous faisons. They may not say because of respect, they just keep quiet. Parfois, ils ne disent rien juste pour le respect. Every bad thing you do, toute mauvaise chose que vous faites, they see it. Ils voient. Every bad word you pronounce, chaque mauvais mot que vous prononcez, they hear it. Ils écoutent ça. But they may not say anything. Peut-être ils ne diront rien. But the bad thing in that is that, mais la mauvaise chose dans ça est que everything we are doing, tout ce que nous faisons, is producing an influence upon these children. Tout ce que nous disons produit de l'influence dans la vie de nos enfants. Good or dans les bons ou dans les mauvais. So I would have liked that many parents be in these meetings too. J'aimerais bien que beaucoup de parents puissent être dans ces réunions. Because you see, the parents when they hear it, the youth meetings. Parce que les parents quand ils apprennent que ce sont les réunions des jeunes, then they tell the children, okay, go to the meeting. Ils disent aux enfants, allez-y aux réunions. Brother Brown says, le frère Brown dit, don't send the children Amen. To the Sunday school. Amen. Le frère Branham dit, n'envoyez pas les enfants à l'école du dimanche. Come with the children. Le frère Branham dit, amenez les enfants, venez so avec les enfants. Even parents are supposed to be donc cela veut dire que même les parents doivent être dans le centre de school. Together with the children. Yes. Ils doivent venir avec les enfants ensemble. In these meetings, dans cette parents are supposed to be here. Les parents devaient être là. Because Brother Branham says, parce que le frère Branham dit, when we speak about juvenile delinquency, quand nous parlons sur la délinquance juvénile, it is actually not juvenile delinquency. Ce n'est pas vraiment la délinquance juvénile. It is parents' delinquency. C'est la délinquance parentale. Because the children are only copying what parce they see. Les enfants ne font que copier ce que les adultes produisent. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Let me move on reading my quote. Laissez-moi avancer avec mes citations. And he said, il dit, come follow me. Viens et suis-moi. That would be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids. Ça serait le plus bon conseil à donner quand si je parlais à 10 000 enfants. Or if I was talking to just what I am. Ou bien
si, même si quand si j'ai parlé à or if I was talking to just what I am, so I don't understand it. Yeah. It's a command. C'est un commandement. And follow me, it's a command. Suis-moi, c'est un commandement. You know, in the army, vous savez, dans l'armée, when the general said, si le général dit, Captain, follow me, suis-moi. Captain follows. Le capitaine suit. Well, I said, it's a command. Le fait qu'on dit que c'est un commandement. And the greatest thing that I think, la plus grande chose que je pense, that I was ever offered anybody, la plus grande chose que je peux offrir à quelqu'un, and especially a young person, spécialement à un jeune homme, is to tell him, follow me. C'est de lui dire, viens, je lui dis, suis-moi. You are going to follow somebody. Tu dois suivre quelqu'un. So as you are there, là où vous êtes, want or not, si, même si vous le voulez ou pas, Israel, God bless you. Amen. Yeah. Papa. Congratulations for you. Israel, when they told him about the young meetings, quand on a dit à Israël par rapport aux réunions de jeunes, they told him that you are already married. On lui a dit, mais toi, tu es jamais marié. He said, I'm married, but I'm still young. Yes, je suis pas jeune. Amen. It's an example for young people who are not married. C'est un bon exemple pour les jeunes, frère, qui ne sont pas mariés. God bless you. Yes, amen. So, Robert said, you're going to follow somebody. Le frère a dit, tu dois suivre. So, want or not, que tu le veux ou pas, you will follow someone. Tu suivras quelqu'un. Now the problem is that, le problème c'est que, sometimes you follow, parfois vous suivez, but without realizing that you are following, mais tu ne réalises pas que tu es en train de suivre. That is working in the domain of subconscious. Ça marche dans le domaine du subconscient. So, not realizing. Parfois vous ne réalisez pas. You are under the influence of somebody or something. Parfois tu ne réalises pas que tu es déjà sous l'influence de quelqu'un d'autre. Because that works in the domain of subconscious. Parce que cela est dans le domaine du subconscient. So you are not conscious of following. Ça, tu n'es pas conscient de suivre quelqu'un. The prophet said, you will follow somebody. Mais le prophète dit, vous devez suivre quelqu'un. And the person you're going to follow, et la personne que vous allez suivre, is the one who is producing a certain influence upon you. Amen. La personne que vous allez suivre, c'est celle-là qui produit de l'influence sur toi. And it can be your parents. Ça peut être votre parent. Or it can be your friends. Ou ça peut être aussi vos amis. And you will notice some children here. Vous allez remarquer que quelques enfants ici. They trust more their friends. Ils ont plus confiance à leurs amis. Than their parents. Que leurs parents. The first person to trust him. La première personne à faire confiance. Is your parents. C'est vos parents. Amen. Amen. Your father. Votre père. Your mother. Votre mère. But the problem is that, mais le problème c'est if the parents, mais si les parents get away of their responsibility, si les parents sortent de leur responsabilité, to produce a positive influence upon the children, une influence positive, then the child will find somebody else. Et l'enfant trouvera quelqu'un d'autre. Because in the nature, parce que dans la nature, he has or she has to follow someone, suivre quelqu'un. Amen. 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 To you young people in the message. Pour vous, les jeunes gens dans le message. I want to bring a revolution in your heart. J'aimerais amener une révolution dans votre mind. And in your hearts. Et dans vos cœurs. That you should not only follow other people in the world. Vous ne devez pas simplement suivre d'autres personnes dans le monde. As Pastor Marlon said yesterday. Comme le Pastor Marlon avait dit hier. You must be also in influence for those worldly children. Vous devez aussi être. Vous devez aussi influencer ces enfants du monde. Don't only be weak people following others. Ne soyez toujours pas des gens faibles qui suivent les autres. But let them follow you. Laissez-les vous suivre. Let me move on with the court because. Laisse-moi avancer un peu avec les situations particulières du monde. And the prophet says. Le prophète dit. Yeah. You are going to follow somebody. Tu suivras quelqu'un. What or not, you are going to follow somebody. Que tu le veux ou pas, tu dois suivre quelqu'un. Now, maintenant.
You can remember that. Tu peux te rappeler. You are going to follow somebody. Tu dois suivre quelqu'un. And the way you follow the person. La façon dont tu suis la personne. Be sure that. Sois sûr que. Be sure who this person is following. Tu dois te rassurer à connaître la personne que tu es en train de suivre. Tu dois être sûr de qui est que, quelle est la personne que cette personne suit. Amen. So it means that you follow someone. Si tu suis quelqu'un. But make sure. Sois sûr. Who that person is following. Qui cette personne-là est en train de suivre. And he said, Paul one time said. Et il dit, Paul a dit un jour. Be my followers. Soyez mes imitateurs. As I am of Christ. Je suis de Christ. So Paul. Paul is telling the believer to follow him. Paul dit aux chrétiens de le suivre. Why? Pourquoi? Because he was following Amen. Christ. Parce que lui il suivait Christ. Hallelujah. Amen. As Pastor Emmanuel said yesterday. Moses was following the pillar of fire. Moïse suivait la colonne de feu. And the people were following Moses. Et le peuple suivait Moïse. Hallelujah. And you parents. Et vous les parents. The children have to follow you. Les enfants vont vous suivre. But who are you following? Mais vous suivez qui? Amen. That's it. Yes, sir. Because the one you are following, parce que la personne que vous suivez, is producing an influence upon you. Est en train de produire une influence sur then vous. Your influence, et votre influence, is having an impact on your children. Votre influence a un impact sur les enfants. It is not surprising. Ce n'est pas une surprise that in the family of William Branham, que dans la famille de William Branham, you have a boy who is a prophet. Avoir un enfant qui est un prophète. Amen. Amen. Yes. He said, Joseph, my son, you are a prophet. Il dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. And he said, hey, la Rebecca, my daughter, Rebecca, ma fille, she was a prophet. Elle aussi yes, prophète. She was a prophet. Yes. Yes. Elle est une prophétesse aussi. Not that they had a message. Ce n'est pas qu'ils avaient une message. No, they could see visions. Yes. Ils pouvaient voir la vision. Amen. That is the influence. Ça c'est l'influence of the life of their father. C'est l'influence de la vie de leur père. They were growing up in that atmosphere. Ils ont grandi dans cette atmosphère-là. That is what the father or the parents were producing in front of them. L'influence que les parents produisaient devant eux. Amen. Amen. So whatever you produce in front of them, that's going to reproduce itself. Dans les enfants. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Listen. Écoutez. And now, maintenant, at this turning point, this stage of life where we all come, à ce point de la vie que nous sommes tous arrivés. À ce point de la vie que nous sommes tous arrivés. And many times you've heard me holler, Ricky and Ricketta. Toutefois, vous m'entendez crier Ricketta, Ricketta. And Ricky, these Ricketta. Things. Et toutes ces choses-là. It's the age. Parce que c'est l'âge. It's the age that we are living in. C'est l'âge dans lequel nous vivons. It really is not those people. Ce n'est pas en réalité le peuple. Brother says. C'est pas dans dit. You hear me speak again about Ricky's and Ricketta. Vous m'entendez parler de Ricky et de Ricketta. Elvis. Elvis. Brother says, if you have a child. Le frère dit si vous avez un enfant. Called Elvis. Un enfant appelé Elvis. In the name of the Lord. Il dit dans le nom de Dieu. Change that name. Change le nom. Amen. Amen. If your child's name is Elvis, change Elvis, change that. Ricky, Ricketta. Ricky, Ricketta. But the prophet said. The prophet dit. Actually, it is not. Le fait par dit que en réalité, ce n'est pas vraiment. The people that have already guessed. Ce n'est pas vraiment le guest. It is the age. Mais c'est l'âge. The spirit of the age. C'est l'esprit de l'âge. And the spirit of this age. Et l'esprit de cet âge. Has a very strong impact. A un grand impact. Upon the children. Dans les enfants. This young ruler that we have read here. C'est le jeune homme riche que nous avons lu là. He was born in the message. Il est né dans le message. Amen. Right. He was born of believers' parents. Il est né par
avec les parents. And most of you here et beaucoup d'entre vous are born from the parents who are in the message. Vous êtes nés avec les parents qui sont dans le message. So since your birth, depuis votre naissance, they brought you to the church. Ils vous ont emmené à l'église. Tu as été dédié par un pasteur. Amen. Amen. Young girls, oh, jeunes filles, they put on skirts since they were children. Elles ont toujours porté les jupes depuis leur enfance. Young boys, they knew that they have to go to church. Les garçons savent toujours qu'ils devaient aller à l'église. But it is the parents' religion. Mais c'est la religion des parents. Like the young man. Comme ces jeunes hommes riches. Mais in his heart, mais dans son cœur, he felt that he was lacking something. Il avait compris qu'il lui manquait quelque chose. He was going to church. Il allait à l'église. He was attending Sunday school. Il allait à l'école de dimanche. At the conventions, he was going with his parents to the conventions. À la convention, il allait toujours avec ses parents. He went with the parents to visit the Brandon Tabernacle. Il est parti avec les parents pour visiter Brandon Tabernacle. He saw these things. Il connaît toutes ces choses. But still, mais in his heart, dans son cœur, he was feeling that he missed something. Il sentait que quelque chose manquait. And he heard about Jesus. Et il avait entendu de Jésus, parler de Jésus. He was rich. Il était riche. When we speak about being rich, quand nous parlons de la richesse, d'être riche, it's not only ce n'est pas simplement material or financial, le matériel, wealth, de la finance. No. Non. You can be rich in a bad thought in your mind. Tu peux être riche en mauvaise pensée dans ta tête. You can be rich in bad project in your heart. Tu peux être riche avec un mauvais projet dans ton cœur. Amen. You can be rich in proud. Tu peux être riche en orgueil. He was rich. Il était riche. But something, he was missing something. Mais il manquait quelque chose. And he noticed that the only one. Mais il avait compris qu'il y a qu'un seul homme who could give him that thing, qui pouvait lui donner la chose. Was Jesus. C'était Jésus. Amen. And the good thing he did, et la bonne chose, he went to meet the Lord. Il est parti rencontrer le Seigneur. As good master, il a dit, bon maître, what shall I do? Qu'est-ce que je peux faire to have eternal life? Pour avoir la vie éternelle. Amen. That is exactly what you children. C'est exactement. Sometimes you don't say things to your parents. Parfois, on ne dit pas les choses à vos parents. But yourself in your heart. Mais vous-même dans vos cœurs. Because we were also children. Parce que nous étions aussi des enfants. And today we are grown up. We become parents. Et aujourd'hui nous sommes so des parents. The same things we went through. Et c'est la même chose qui passe. You children also are going through the same things. Et vous les enfants, vous allez passer par le même chemin. Amen. At a certain time. Et à un certain moment. You wonder about your own life. À un certain moment, tu vas commencer à te poser des questions par rapport à ta vie. At a certain moment, the parents let you. À un certain moment, les parents vont vous laisser. Let you. Ils vont vous conduire. Amen. They bring you to church. Ils vont vous amener. They bring you to this atmosphere. Ils vont vous amener dans cette atmosphère. But the parents will not give you eternal life. Mais les parents ne vous donneront jamais la vie éternelle. Yes. Amen. And the Bible says, et la Bible dit, believe in Jesus, crois en Jésus, you will be saved, you and your family. Amen. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Robert explained. Et le frère m'explique. It does not mean that if I, Father, I believe, cela ne veut pas dire que si moi, le Père, je crois, automatiquement, la famille est sauvée. Non. Non. He said, when I believe, il dit, si je crois, my position, my stand towards God, ma position par rapport à la parole de Dieu, is going to influence my family. Amen. Influencera ma famille. In the way that they will also come to the Lord. De telle sorte qu'ils viendront aussi au Seigneur. Amen. Amen. But not that they are automatically saved. Mais ce n'est pas qu'ils sont sauvés automatiquement. Because God does not have grandchildren. Parce que Dieu n'a pas de petits enfants. Amen. Amen. So, my children, mes my enfants, biological children, mes enfants biologiques, the only connection I have with them, la seule connexion que j'ai avec eux, that they come from me biologically. Parce qu'ils sont venus de moi biologiquement. But I didn't
didn't give birth to the souls. Mais je n'ai jamais donné naissance à l'âme. Amen. 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 They have their body from me. Ils ont reçu leur corps de moi. Their blood from me. Leur sang vient de moi. But their soul. Mais leur sang. Must be a predestinated soul. Leur sang doit être une semence prédestinée. For them to meet the Lord. Pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Otherwise. Sinon. We will be okay family here on earth. Ça sera ok, nous sommes une famille ici sur la terre. On the other side, mais de l'autre côté, to do with on n'aura rien. That's the reason why. Ça c'est pour the experience. L'expérience. Oh, you know, my mother, vous savez, ma mère, she died very, very elle est morte il y a très très peu. J'avais 5 ans. She was not a message believer, so elle n'était pas une grande message. Her eternal destination, I don't know. Sa destinée éternelle, je ne connais pas. My father died, he didn't believe the message. Mon père est mort, il n'avait pas cru le message. I don't know about his eternal destination. Je ne sais pas. Me, I believe. Et sa destinée. Moi, je crois. And I have children. Et j'ai des enfants. I try to bring them in the way of the Lord. J'essaie de les amener dans les chemins du Seigneur. That is the only thing I can do. Ça, c'est la seule chose que je peux faire. The rest. Mais le reste. Every one of them. Chacun d'eux. Must go through an chacun de nous doit avoir une expérience personnelle avec la parole. So the young man came, I'm going to go to quickly. Je vais avancer Jésus. Et le jeune homme est venu à Jésus. And Jesus told him. Et Jésus lui dit, you have to give the message. Tu dois avoir le message. Oh, I was born in the message. Je suis né dans le message. My father is a message believer since many, many mon years. Mon père, c'est un courant du message depuis les années. We have been in conversation. On allait toujours dans les conversations. On a fait le bras dans la salle. Je connais toutes ces choses-là. And then Jesus said, et Jésus dit, that is good. Ça, c'est très bien. Now, mais, all these things you are attaching to of the world, the things that you love, mais les choses que tu aimes beaucoup là, that are against the message, c'est contre le message. You must now stop all these things. Tu dois arrêter toutes ces choses-là. Take the message with all your heart. Prends le message et mets dans ton cœur. As your personal experience. Comme ton expérience personnelle. Follow me. Et suis-moi. Amen. Alléluia. Amen. Because we don't want to have something to do with hypocrites in our houses. Nous ne voulons pas avoir des hypocrites dans nos maisons. Amen. Amen. I learned many times, many years ago. J'avais appris il y a très longtemps. The children of of the servants of God. Les enfants d'un serviteur de Dieu. When the parents went away. Quand les parents sont. They had what you call it in the time of the video movies. Bandes. Yes. Bandes vidéo. And on the video they write the Ten Commandments. Ils avaient des cassettes vidéo et c'est écrit les 10 commandements. But when the parents are away, mais quand les parents sortent, les enfants vont mettre la cassette vidéo. It was immoral movies. C'était des films immoraux. Mais sur la pochette là, c'est écrit 10 commandements. And today, et aujourd'hui, every child has a mobile phone. Chaque enfant a un portable. They spend the time in their rooms. Ils passent le temps dans leur chambre. What are they watching? Ils sont en train de regarder quoi? No one knows. Personne ne connaît. That's the reason why. Ça, c'est pourquoi. A personal experience is very, very important. Voilà pourquoi l'expérience personnelle est très, très importante. Yes. So, what we have to do is to bring these children to a real experience of the Holy Ghost. Ce que nous devons faire, c'est d'amener ces enfants dans l'expérience, cette véritable expérience du Saint-Esprit. And when I know that the child has the Holy Ghost, et dès que je saurai que l'enfant a le Saint-Esprit, I am quiet. Là, je serai tranquille. I even don't want to go and try to check what the child is doing. Je ne serai même pas là en train de regarder, de voir si l'enfant s'éclate. Parce que je sais que maintenant, the child is under a good influence. Je sais maintenant que l'enfant est sous une bonne influence. Amen. Let me read something else here. Laissez-moi lire quelque chose ici. And with your permission, Brother Eric, avec votre permission, as we are preaching,
J'aimerais bien que les enfants, si vous avez les jeunes, si vous avez des questions. Connect to your life as young people. Des questions par rapport à vos vies. Write the question. Écrivez vos questions sur papier. Vous donnez ça à frère. Pendant que le ministre va prêcher, il peut take advantage also answer to some. Et vous pouvez aussi répondre à. Because you know there are some questions that you have. Je sais que vous avez des questions. Sometimes it is hard to find the answer directly in the message. Parfois c'est difficile de trouver directement la question dans le message. There are a lot of things that happens around you, children. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. And you wonder what shall we do? Mais vous demandez qu'est-ce que nous allons faire. So please just write your question and. S'il vous plaît, écrivez vos questions et on pourra répondre. Let me read something. Laissez-moi lire quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de dire. In the message, forsaking all. Dans le message abandonnant tout. Paragraph 52. Paragraph 53. Let's follow this young ruler. Suivons ce jeune homme riche. The next time we find him in the Bible. La prochaine fois que nous le trouvons dans la Bible. He never, as soon as he rejected the opportunity to follow Jesus. Quand il avait rejeté l'opportunité de suivre Jésus. When it was laid down to him, pretty stiff. Pendant que cela lui a été présenté. You see. Vous voyez. We want to hold on to everything that we care. Nous voulons nous attacher à quelque chose qui. Nous voulons nous attacher à tout ce que nous pouvons. Nous voulons nous attacher à tout ce que nous pouvons. And then follow Jesus. Et suivre Jésus. No, you non, cannot. Amen. Amen. Vous so, ne pas. Either you follow Jesus vous and Jésus. You forsake all et the world. Et tu les choses du monde. Or you ou bien, follow the world. You let Jesus ou bien tu suis le monde et tu laisses Jésus tranquille. Brother Branham dit, if I am not for Christ, si je ne suis pas le Christ, I will be against him. Je vais être contre lui. Amen. Amen. Not in the middle. Ce n'est pas au milieu. We don't want hypocrites in houses, hypocrites in churches. Amen. Dans les Amen. Maisons, Amen. Ou dans les églises. Amen. 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 If you have something that you feel that you are not able to fight against spiritually. Si, vous savez que vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à combattre contre les choses spirituelles. Be honest. Sois honnête. Honnête. Pray for me. I still moi, love this. J'aime ça. I still love that. J'aime encore ça. Especially. Spécialement. There is there are things that are very very a problem with young people now. Il y a quelque chose qui est vraiment un grand problème pour les jeunes gens aujourd'hui. Electronic games. Les jeux électroniques. It becomes like it becomes addict. C'est devenu comme addiction. L'addiction. Comme la drogue. Comme la drogue. So you know when you stay like this, oh, telephone. Ils sont là devant le téléphone. In a way that it seems that that thing is now controlling you. C'est comme si la chose est en train maintenant de vous contrôler. But it is only a trap of the devil. C'est juste un piège de l'ennemi. And you see some of the games. Vous allez voir qu'il y a aussi des. The game is like an endless game. Les jeux vidéo qui n'ont pas de fin. So you play, tu joues, endless. Et ça finit jamais. And you can stay 5 hours. Tu peux rester là pendant 5 heures de temps. With the game. Avec ces jeux-là. And those 5 hours. Et ces 5 heures-là. What is going in your mind? Qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? Your brain. Votre cerveau. Your spirit. Votre esprit. Is being nourished and filled with these things. Nourri par ces choses-là. Today, if they speak about Al Qaeda. Aujourd'hui, quand on parle de Al Qaeda, where is it coming from? Ça vient d'où? The games. Ce sont les jeux vidéo. Most of the games. La plupart des jeux vidéo. Ce sont les armes. And when you are seeing all these people shooting. Et quand vous voyez ces gens-là sont en train d'utiliser les armes. What is going on? Qu'est-ce qui se passe? It goes into the subconscious. Entre dans le subconscient. Amen. And subconscious, you cannot control it. Et le subconscient, vous ne pouvez pas le contrôler. Amen.
And when you will notice that when you play, tu vas remarquer when you kill someone, quand tu crées quelqu'un, et tu te sens bien. It goes in the subconscious. Il s'en descend dans le subconscient. Yes, sir. And one day, et un jour, unconsciously, inconsciemment, you will have a gun. Et tu auras l'arme. And kill someone. Et tu vas tuer quelqu'un. And you feel good. Et tu vas te sentir bien. Amen. Pastor, God bless you. Because the child, parce que l'enfant, when he is small, quand il est petit, everything he is doing, tout ce qu'il est en train de faire, it is a preparation, c'est une préparation, to what he is going to become. Une préparation à ce qui sera demain. Remember what rappelez-vous ce que l'ange a dit au frère Branham. Still he was 7 years old. Quand il n'avait que 7 ans. Don't drink. Ne bois pas. Don't smoke. Ne fume pas. Don't defile your body. Ne suis pas ton corps. A 7 years old boy, you tell him don't defile your body. Un enfant de 7 ans, tu lui dis ça, il va comprendre. He even doesn't understand what is to be. Pas, but God told him, mais Dieu lui dit, not to defile his body. Dieu lui dit qu'il ne puisse pas souiller son corps. When he was 7 years old, quand il avait 7 ans. Why? Pourquoi? When you will grow up, parce que quand il va grandir, there will be a work. Il y aura un travail. So now when the children are playing electronic games, les enfants sont en train de jouer les jeux électroniques. What is electronic games preparing? Qu'est-ce que les jeux électroniques sont en train de préparer? Observe these children 10 years later. Nous allons observer ces enfants 10 ans après. After that, they have been playing electronic games. Après qu'ils ont joué aux jeux électroniques, what are they going to become? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? After 10-15 years. Après 10-15 ans. It will be the result. Et ça sera le résultat des jeux électroniques. Some of them will be Al Qaeda. Parmi eux, il y aura des Al Qaeda. Aujourd'hui, tous les Union européenne vont faire un meeting. Start fighting against electronic games. L'Union européenne va faire des réunions pour combattre Al-Qaïda, mais commencer d'abord à combattre les jeux de Joshua got into Canaan. Quand Joshua et Josué sont partis en Canaan, they were killing even small babies. Ils tuaient même les petits bébés. You know why? Vous savez pourquoi? Because that baby Amalekite. Parce que les bébés là, ce sont les Amalekites. If you let him live, si vous le laissez vivre, he will grow up. Il va grandir. He will become a strong military. Il deviendra un militaire. Kill Israel. Et il va tuer les Israélites. So when he's still small baby, quand il est encore petit, catch him the head. I know the children will not like me. Je sais que les enfants ne vont pas m'aimer. Because I touch the thing that they. Parce que je suis allé toucher la chose. But Jesus said. Mais Jésus a dit. Sell all this. Mais Jésus a dit, abandonne tout ça. Come and follow. Jésus a dit, va tout ça et viens. Oh, your children. Oh, les enfants. Would you like to sell electronics? Est-ce que vous voulez vendre les jeux électroniques? Come and follow Jesus. Et venez suivre Jésus. Amen. Amen. Jesus has no electronic games. Jésus. Jesus has no electronic gifts. Jésus n'a pas des yeux électroniques. Jesus has eternal life. Yeah. Mais Jésus a la vie éternelle. Yes. Yes, sir. And sometimes we parents we say. Parfois nous parents nous disons. Oh non, ce sont des enfants. Kill the Amalekites, baby. Tu vois les Amalécites. Les bébés Amalécites. Amen. Amen. Sometimes I appreciate the Muslim. Parfois j'apprécie les musulmans. The children, since they are small, les enfants quand ils sont encore des bébés, they are very strong in the religion. Ils sont très forts dans la religion. You know the Muslims who are fighting against Israel. Vous savez les Israéliens, les musulmans qui combattent contre Israël. I heard that in the schools. Et j'ai appris que dans les écoles. When they teach mathematics. Quand on enseigne les mathématiques. Or they teach subtraction. Quand on enseigne la subtraction. Okay. 3 Jews. If you have 3 Jews. Si vous avez 3 juifs, tu tues. Combien de juifs vont rester? Since the children are small, pendant qu'ils étaient encore des petits, put in their mind, ils ont mis ça dans leur pensée. Qui Jews? Qui doivent tuer les juifs? Yes, sir. But we have one we have to kill. Mais nous avons un qui nous devons tuer. The devil. The children are small. Depuis quand les enfants sont encore petits. Tell them that there is a devil. Dis aux enfants que c'est un démon. To destroy. Pour détruire.
understand. Et pour père, ils ne vont pas comprendre. Like my child Daniel this morning. Comme mon fils Daniel ce matin. He told his mother, he said, oh, il dit à sa maman, I think that there is no God. Je pense qu'il n'y a pas de Dieu. Mais non, God is. Non, il y a Dieu. Il dit, mais je ne l'ai jamais vu. I want to touch God. Mais moi, je veux toucher Dieu. Amen. You know, it was, we took almost 5 or 10 minutes in the room to explain to him. On a pris presque 5 à 10 minutes pour expliquer à Daniel le principe. That there is God. Le principe, c'est pour lui dire qu'il y a un Dieu. Even if he doesn't understand, just put him in his place. When he will grow up, because the word is a seed. Parce que la parole est une semence. Brother, myself, I remember. Frère, moi, je me souviens. When I was small, quand j'étais encore petit, I had an uncle that I was working with. J'avais un oncle avec qui je parlais. Everything that uncle was telling me. Les choses que l'oncle me disait. I remember that until now. Je me souviens encore de toutes ces choses-là aujourd'hui. Everything you are telling to these kids. Tout ce que vous dites aux enfants. They remember. Ils se rappellent. Imagine the Samaritan woman. Et pensez à la femme samaritaine. How did she know that Jesus was Messiah? Comment est-ce qu'elle avait su que Jésus était Messie? When she was a child. Pendant qu'elle était petite. Her parents told her. Ses parents leur avaient dit. Messiah will come. Le Messie viendra. Tell the children. Dis aux enfants. That brother Branham is the prophet of Jesus. Dis aux enfants. Et le frère est le prophète de Jésus. The angel of the Lord visited us. Dis aux enfants. Il est l'ange de la lumière. A pillar of fire. Par la colonne de feu. His cloud is Jesus Christ. C'est le Seigneur Jésus Christ. Understand or not. Qu'il ne comprenne ou pas. Let it be a dogma. Laissez ça être un credo. In their brain. Dans leur pensée. One day. Mais un jour. Yes, sir. That's right. They will meet the reality. Ils vont rencontrer la réalité. And they will realize, oh, et ils vont réaliser que it is the truth. C'est la vérité. Young children. Oh, les jeunes. Sell everything you have. Vendez tout ce que vous avez. All his friends. Tous ses amis. Because your friend at school. Parce que vos enfants, vos amis à l'école. They are under the influence of their parents. Ils sont sous l'influence de leurs parents. And their parents. Et sous leurs parents. Under the influence of the devil. Et leurs parents sont sous l'influence du diable. Because the prophet says. Et parce que le prophète dit. Who you are following. Parce que le prophète dit, cela dépend de qui vous suivez. Because the one you are following. Parce que la personne que vous suivez. Follows also somebody. Suit aussi quelqu'un d'autre. Who is he following? Mais suit qui? We are following Brother Branham. Nous nous suivons Brother Branham. Brother Branham follows the pillar of fire. Hallelujah. We have to put the influence. L'influence. We who are influencing. C'est à nous today. C'est à nous d'influencer le monde aujourd'hui. Amen. Yes, sir. Amen. You go in schools. You know, in Sweden. Vous savez, en Suède. The children don't put uniforms. Les enfants ne mettent pas les uniformes à l'école. And all the girls are trousers. Et toutes les filles ont des pantalons. Now we have our children. Mais nous avons maintenant nos enfants. They have to go in the same schools. Et ils doivent, nos enfants doivent aller dans le même école. I respect. Et je respecte. The brothers and who have built some schools to have the children in those schools away from the schools of the. Bon, je respecte les frères qui ont construit des écoles pour garder les enfants loin de ces écoles-là. I think the idea is a good idea. Je pense que l'idée là est bonne. But the Bible says. Le Bible dit. You are the light of the world. La Bible dit vous êtes la lumière du monde. Our children are the light. Nos enfants sont les lumières. If you put them in one school. Si. All of believers. Si vous les mettez simplement dans l'école des croyants. You may create hypocrites. Vous allez créer des hypocrites. In our school, they are dans notre école, tout le monde a une jupe jusque-là. Who tells you that long skirt is in the heart? Qui vous dit que cette longue jupe là est dans le cœur? I'm not against that. Je ne suis pas contre. That child go in a school where everybody has a tongue. Laisse que cette enfant puisse aller dans une école où tout le monde a des pantalons. But she has a skirt. Mais elle a une jupe. First of all, she will be an oddball. Premièrement, elle sera oddball. Everybody will say, oddball. Why do you have to say that? She will be a subject of attraction. Elle sera un sujet d'attraction. And they will ask her.
On va lui demander. Why don't you put? Pourquoi tu ne mets pas des pantalons? Why don't you put trousers? Pourquoi tu ne mets pas des pantalons? My daughter, they thought that she was a Muslim. Ma fille. From Somalia. Ma fille, les gens pensaient qu'elle était des. Because the Somali girls. Parce que les filles somaliennes ont les. Can you imagine? Frère, pourquoi tu imagines? Somali Muslim. Que les musulmans, somaliens. They cover their body very well. Leur corps très bien. Without message. Sans. The children of Al Qaeda. Mais les enfants de Al Qaeda. But they cover their body very well. Ils couvrent très bien leur corps. How much more? Combien plus forte raison? You, the children of the. Vous, les enfants de la colonne de feu. Amen. Amen. You influence the world. Vous influencez le monde. Don't let the world influence you. Ne laissez pas le monde vous influencer. Amen. Now you are going to excuse me. Maintenant vous allez m'excuser. I noticed that the world easily influences people even in the message. J'ai remarqué que le monde est en train d'influencer facilement les gens même dans le message. I apologize for what I'm going to say. Je m'excuse pour ce que je veux dire maintenant. I noticed that. From a certain time, j'ai remarqué depuis un certain temps. All the people are letting out the beat. Tout le monde laisse avoir. And I noticed that even among the Messy believers, j'ai remarqué même parmi les gens, tous les jeunes ont la main. They become now Al-Qaïdes. Ils sont devenus Al-Qaïdes. Excusez-moi. Mais j'ai simplement remarqué. The influence. Yes. Influence. And tomorrow, because the one who started with that, certainly was maybe a movie star. Sûrement la personne qui a commencé ça, peut-être c'était un star de cinéma. A musician. Ou bien un musicien. Tomorrow, demain, if the same person comes, si la même personne vient et enlève toute la barbe, take all the hair, il enlève tous ses cheveux. After 2 days. Après 2 jours. Vous allez voir que toute la barbe va disparaître. You see, en vrai, influence. 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 By television and by the media. Par la télé, par le média. But you can also be an influence. Vous êtes une influence. You know, I like in Kinshasa. J'aime. The sister from Shekinah Tabernacle. Les sœurs de Shekinah Tabernacle. And now, even wealthy women. Même les gens du monde. Sometimes they go to the temple and they say, no, I want a skirt like Shekinah fashion. Jusqu'à ce que les filles disent que je veux une jupe comme les filles de Shekinah. Mode Shekinah. La mode Shekinah. No, but that's good. If that can help them, girls ça, c'est bien. Wear properly. Si ça peut aider les autres à s'habiller très bien, mais c'est très bien. Be an influence. Soyez une influence. Don't be influenced. Ne soyez pas influencé. Because influence is a contaminating. Parce que each other. L'influence est contaminée. Contagieux. Une personne à une autre. Even among the believers. Même parmi les croyants. Some believers. Maybe they are not really living good Christian life at all. Même peut-être il y a aussi des chrétiens qui ne vivent pas une bonne vie chrétienne. When the children are being in connection. Mais quand les enfants sont en connexion. There is a contamination. Il y a une contamination de l'influence. Amen. Oh, I know there are a lot of things we can say. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. And I don't want to keep the word myself. Mais je vais pas tout garder pour moi. The children, what I want just to tell. Mais les enfants, tu sais ce que je veux vous dire. You cannot have the world and Jesus at the same time. Vous ne pouvez pas avoir le monde et Jésus au même moment. And I finish with this. Je vais finir par ceci. And I like this. Et j'aime ça. The decision you take now. La décision que vous prenez maintenant. Count 5 years. Compte 5 ans. Amen. You will see what you will be. Tu verras ce que tu seras. He says. 5 years from now. Il dit 5 ans à partir d'aujourd'hui. You can be a missionary. Tu peux être un missionnaire. Preaching the gospel. Prêcher la parole. 5 years from now. 5 ans à partir d'aujourd'hui. You can be in hell. Tu peux être en enfer. So when you make a decision. Quand vous prenez une décision. From that time. À partir de ces temps. Observez 5 ans. And you parents. Et vous les parents. Sometimes your decision, parfois vos décisions, will have an impact on your children. Aura
un impact sur vos enfants. And remember, et rappelez-vous, the Bible says, la Bible dit, I will visit, je visiterai, the iniquity of the parents, je visiterai l'iniquité des parents, upon the children, sur les enfants. And the prophet said, sometimes some sicknesses we have today, parfois il y a des maladies que nous avons aujourd'hui, are the result of the sins of our parents. C'est le résultat des péchés de nos parents. And what our children will go through, et là où les enfants vont passer, may be the result of what we are doing. Parfois c'est le résultat de ce que nous faisons. Job was always praying for his children. Job priait toujours pour ses enfants. He was offering sacrifices. Il offrait des sacrifices pour ses enfants. We need to do that for our children. Nous devons le faire pour nos enfants. And when God restored everything to Job, et quand Dieu avait restauré toutes choses à Job, he restored also his children. Il a aussi restauré ses enfants. Hey, young children. I know you love Minecraft. You love the game. I know you love Second Zenith Jesus Christ. That you have to love Jesus Christ more than Jesus Christ. I understand in our time. Je comprends que dans notre temps. We were playing with small cars. On joue avec the team of Sardin. On va prendre le poids de Sardine, we make wheels, et nous allons créer des roues, et nous allons commencer à tirer comme ça. Today, mais aujourd'hui, tout est électronique. But love Jesus. Mais aimer Jésus. Love the message. Aimer le message. When you wake up in the morning, quand vous vous réveillez le matin, you read first your Bible. Lisez votre Bible. And you read the message. Et vous lisez le message. Then you can do the duty of the day. Et après vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. You promise. Vous promettez. The children, raise up your hands. Les enfants, les enfants, when you wake up, quand vous vous réveillez, first of all, read the Bible. La première chose, lisez la Bible. Et après, at least one or two pages, maybe you are going to school. Même deux, une ou deux pages. One or two pages of the message. Même deux ou Even if you don't understand, même si vous ne comprenez pas, just read. Listen. One day, un jour, all these things you are reading, tout ce que vous êtes en train de lire, will come up. Yes, sir. God bless you. Amen. Amen. Yeah. Are we really appreciate the same? Yes. On parle de choc. Voilà, may the Lord bless you. Amen. I think Brother Joshua asked to the children if they promise to read their Bible in the morning or a message. Are you with me? Young people, I'm speaking to you, children. Amen. Amen. You promise. You know, you promise to read the Bible. Amen. Vous savez, you know, everyone is under the influence of something. Tout chacun est sous l'influence de quelque chose. But the Bible says that you have to follow someone. Très bien dit, vous devez suivre quelqu'un. But the Bible says that if you go to church, if you see the pastor moving his head like this, vous voyez le pasteur bouger sa tête, and you're going to see everyone's going to do like this. Et vous allez voir que chacun va le suivre. It's not because they want to do it. C'est pas parce qu'ils veulent le faire. It's because they are getting under the influence of the pastor. Parce qu'ils suivent l'influence du pasteur. I do believe that if you are a preacher, et je crois si vous êtes un prédicateur, you must be an example. Tu devrais être un exemple. Amen. Amen. If you are a preacher, si vous êtes un prédicateur, you must be honest. Tu devrais être honnête. Because your influence is going to the church. Parce que votre influence va vers l'église. If you are a father, si vous êtes un parent, un papa, you must know that. Vous devrez savoir. Your influence is going to the children. Votre influence va vers les enfants. It's not what you are telling them to do. Ce n'est pas ce que vous leur dites de faire. It's what you are doing. C'est ce que vous faites. I know in my house. Je sais dans ma maison. I like eating croissant. J'aime manger les croissants. And I found that everyone in the house is eating croissant now. Et j'ai même remarqué tout le monde aime manger les croissants maintenant. Because parce que they are under my influence. Ils sont sous mon influence. And because
It's not cheap. Ce n'est pas moins cher. I'm always buying it for myself. Je l'achète que pour moi. And I said, if we start eating for this house, we are going to spend a lot of money. Manger poisson maintenant, nous allons beaucoup plus dépenser. You know what I'm doing? So I'll buy some poisson. Vous voyez ce que je fais? J'ai acheté du poisson, je le mets dans le freezer. Dans les congélateurs. So when I come back, quand je vais revenir, I'm not going to find even one. Je ne vais même pas trouver un. I said, how can you eat everything? Comment pouvez-vous manger tout? I'm the one who bought it. C'est moi qui ai acheté. And I found that it's my own influence. C'est ma propre influence. I'm the one who started buying croissants. C'est moi qui a commencé d'acheter les croissants. So the children, they are under influence of everything. Les enfants sont sous l'influence de toutes choses. Put them under the influence of the word. Mettez-les sous l'influence de la parole. Prayer time in the family. La prière en famille. Every night before to go to bed. Chaque jour avant d'aller dormir. Take time with the children. Prenez le temps avec les enfants. Read something from the Bible. Lisez quelque chose venant de la Bible. Or from the message. Ou du message. Let them go sleep with the mind of the message. Et laissez-les aller dormir sous l'inspiration du message. Do you know? When you see the advertisement on the streets, quand vous voyez les publicités dans les avenues, sometimes they're talking about the yogurt. Des fois, ils parlent de yoga. Yahoo. Yahoo. They are going to put the naked woman beside. Ils vont mettre une femme un nid à côté. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because they know that that image is going to stuck in your subconscious. Parce qu'ils savent que cette image va être incarné dans le concept. And they've got a connection with the yogurt. Et cela a une connexion avec le yogurt. Once you think about that image, quand vous pensez à cette image, you think about yogurt. Vous allez penser des yogurts. And you're going to buy it. Et vous allez l'acheter. And we are always asking question, what's the connection between yogurt and naked woman? Nous demandons, il y a quoi, quelle est la connexion entre la femme nue et le yogurt? This is the answer. Voici la réponse. I want to buy some thing for my car. J'ai acheté quelque chose. Je suis allé acheter quelque chose pour car parts. Car parts. Le pièce d'échange. But when I went there, I found that they put a naked woman beside the car parts. Quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé ils ont mis une femme nue à côté de le pièce d'échange. Asking myself, what is the connection? Quelle est la connexion? Because they want to attract your soul. Parce qu'ils ont voulu attirer votre âme. Because the yogurt will never attract your soul. Parce que le yogurt n'attirera pas votre âme. I mean your subconscious. Ou bien votre subconscience. But they know that for boys. Mais ils savent que pour les garçons, naked woman is an easy thing to attract someone. La femme nue c'est quelque chose qui pourra attirer un homme. And it works. Et cela marche. Amen. Amen. And they are making money for us. Et ils produisent beaucoup d'argent. If you are not under the influence of the word of God, si vous n'êtes pas sous l'influence de la parole de Dieu, the devil will get you. Le diable vous aura. For sure. Et pour sûr. But I'm saying there's not in between. Il n'y a pas entre. You know, the Laodicean church age is in between. Vous savez, l'âge de la Laodicée est entre le et au milieu. It's not cold. Ce n'est pas froid. It's not warm. Il n'y a pas le froid, il n'y a pas le chaud. But it's lukewarm. Mais c'est tiède. And it was rejected by God. Et cela a été rejeté par Dieu. You must be under the influence of the word. Vous devrez être sous l'influence de la parole. And you have to take that decision now. Et vous devez prendre cette décision maintenant. And God will bless you. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Nous allons chanter Down from His Glory. And I'm going to invite Brother Jean de Dieu. Et je vais inviter les frères Jean de Dieu. To speak to us for 30 minutes. Et quand même nous prêcher pour 30 minutes. And I'm going to carry on for a program. Et nous allons continuer avec les programmes. Down from His Glory. My God, have saved.